Décision numéro 001, UDPS, PP, SG, AKT, 23, du 9 août 2023, portant exclusion de certains membres du parti. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi en sigle, sont exclus du parti les personnes dont les noms se livrent. 1. M. Mukuna Kabongo Hubert. 2. M. Lokuli Lokokaki Joseph. 3. M. Minga Misha Jean-Lucien. 4. M. Bomba Nila Augustin. Considérant la proposition du bureau de la Convention démocratique du parti relative à l'exclusion de certains membres du parti pour des faits graves de violation des statuts et du règlement intérieur du parti, en l'occurrence, avoir respectivement tenu en date du 11 juillet 2023, sans qualité et au nom de l'UDPS Tshisekedi, un pseudo-congrès du parti dans le but de remplacer le président du parti, saisi en date du 26 juillet 2023 la Banque centrale du Congo aux fins de blocage des comptes bancaires de l'UDPS Tshisekedi et pris en date du 31 juillet 2023 des décisions ne relevant pas statutairement de leurs compétences, faites à Kinshasa le 9 août 2023, signé Augustin Kabuya Chilumba Chingoma. Ma Mission TV, le miroir du monde. Décision numéro 001, UDPS, PP, SG, AKT, 23, du 9 août 2023, portant exclusion de certains membres du parti. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi en sigle, vu les statuts du parti du 14 décembre 2010, tels que modifiés et complétés le 25 janvier 2013, spécialement en leurs articles 22, 24, 27, 31.3, 65 et 66, vu la résolution numéro 02, UDPS, CDP, 23, du 6 janvier 2023, conférant des attributions particulières au secrétaire général du parti et notarié le 18 janvier 2023, vu le règlement intérieur du parti du 14 décembre 2010, tel que modifié et complété le 25 janvier 2013, spécialement en ses articles 7 et 12, vu le règlement intérieur de la présidence du parti du 9 janvier 2020, spécialement en son article 27, considérant le communiqué numéro 15, UDPS, PP, SG, AKT, 23, du 8 août 2023, du secrétaire général convoquant la réunion extraordinaire de la présidence du parti élargie à d'autres organes et structures du parti, considérant la proposition du bureau de la Convention démocratique du parti relative à l'exclusion de certains membres du parti pour des faits graves de violation des statuts et du règlement intérieur du parti, en l'occurrence, avoir respectivement tenu en date du 11 juillet 2023, sans qualité et au nom de l'UDPS Tshisekedi, un pseudo-congrès du parti dans le but de remplacer le président du parti, saisi en date du 26 juillet 2023 la Banque centrale du Congo aux fins de blocage des comptes bancaires de l'UDPS Tshisekedi et pris en date du 31 juillet 2023
des décisions ne relevant pas statutairement de leurs compétences, faits constitutifs des manquements et assortis des sanctions prévues aux articles 65 et 66 des statuts et 12 du règlement intérieur de l'UDFS. La présidence du parti, le bureau de la commission électorale permanente du parti, le bureau du comité directeur de la Ligue des jeunes, le bureau du comité directeur de la Ligue des femmes, le bureau de la commission égalité hommes-femmes et le comité de gestion de l'école du parti entendu, vu l'urgence et la nécessité, décide. Article 1er. Sont exclus du parti les personnes dont les noms suivent. 1. M. Mukuna Kabongo Hubert. 2. M. Lokuli Lokokaki Joseph. 3. M. Minga Micha Jean-Lucien. 4. M. Bomba Nila Augustin. Article 2. Les secrétaires nationaux ayant respectivement l'organisation et l'implantation du parti et la justice dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 9 août 2023, signé Augustin Kabuya Chilumba Chingoma. Décision numéro 001/UDPS. /PP/SG/AKT/23 du 9 août 2023 portant exclusion de certains membres du parti. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi en sigle, vu les statuts du parti du 14 décembre 2010, tels que modifiés et complétés le 25 janvier 2013, spécialement en leurs articles 22, 24, 27, 31.3, 65 et 66, vu la résolution numéro 02/UDPS/CDP/23 du 6 janvier 2023, conférant des attributions particulières au secrétaire général du parti et notarié le 18 janvier 2023, vu le règlement intérieur du parti du 14 décembre 2010, tel que modifié et complété le 25 janvier 2013, spécialement en ses articles 7 et 12, vu le règlement intérieur de la présidence du parti du 9 janvier 2020, spécialement en son article 27, considérant le communiqué numéro 15/UDPS/PP/SG/AKT/23 du 8 août 2023 du secrétaire général convoquant la réunion extraordinaire de la présidence du parti élargie à d'autres organes et structures du parti, considérant la proposition du bureau de la Convention démocratique du parti relative à l'exclusion de certains membres du parti ou des faits graves de violation des statuts et du règlement intérieur du parti, en l'occurrence, avoir respectivement tenu en date du 11 juillet 2023, sans qualité et au nom de l'UDPS Tshisekedi, un pseudo-congrès du parti dans le but de remplacer le président du parti, saisi en date du 26 juillet 2023, la Banque centrale du Congo, aux fins de blocage des comptes bancaires de l'UDPS Tshisekedi, et pris en date du 31 juillet 2023 des décisions ne relevant pas statutairement de leurs compétences, faits constitutifs des manquements et assortis des sanctions prévues aux articles 65 et 66 des statuts et 12 du règlement intérieur de l'UDPS. La présidence du parti, le bureau de la commission électorale permanente du parti, le bureau du comité directeur de la Ligue des jeunes,
le bureau du comité directeur de la Ligue des femmes, le bureau de la commission égalité hommes-femmes et le comité de gestion de l'école du parti. Entendu, vu l'urgence et la nécessité, décide. Article 1er. Sont exclus du parti les personnes dont les noms suivent. 1. Monsieur Mukuna Kabongo Hubert. 2. Monsieur Lokuli Lokokaki Joseph. 3. Monsieur Minga Misha Jean-Lucien. 4. Monsieur Bomba Nila Augustin. Article 2. Les secrétaires nationaux ayant respectivement l'organisation et l'implantation du parti et la justice dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 9 août 2023, signé Augustin Kabuya Chilumba Chingoma. Mission TV, le miroir du monde.